culturellement, le caucasien est un homme fier. Le caucasien est un homme solide et fier. Le plus gros ennemi du caucasien, c'est lui-même, en général. Parce que la fierté du Caucase fait que on ne perd pas au Caucase. Je suis Salam Ouakmed. Je viens du Tchétchénie. J'ai 28 ans. Je suis né 12 août 1993. Je suis en France depuis 2008. Je suis grandi dans un petit village en Tchétchénie. C'est une campagne, Cernovodsk. Je suis né là-bas, je suis grandi là-bas. Et à l'âge de 10 ans ou 11 ans, j'étais déménagé à Grozny. Et à Grozny, j'ai commencé à faire la lutte. Et j'ai commencé là-bas à faire la lutte. Et à l'âge de 15 ans, on a déménagé en France. Chez nous, le sport, c'est un truc traditionnel, surtout la lutte. Et j'ai commencé dès le petit, j'ai commencé par la lutte. Et après, quand je suis déménagé en France, j'ai continué de lutter ici. J'ai fait jiu-jitsu brésilien et grappling chez Cercle Tissier à Vincennes. Et après, je suis là, au MMA Factory chez Fernand Lopez. The bout ends at 2 minutes 25 seconds of round. Chez nous, c'est nécessité de savoir se battre pour protéger sa famille, pour protéger soi-même. Et dès le petit, j'étais intéressé de sport. J'étais envie d'être un combattant professionnel. Mon adversaire, c'est Robert Valentin. Je suis hâte de l'affronter. C'est un mec de sol. C'est un mec qui abandonne jamais. C'est un mec solide et ça va être un guerre de mental. C'est lui qui va être plus fort mentalement. C'est lui qui gagne. Comme tout le monde, je suis stressé. Je peux pas dire non. Oui, je suis stressé, mais c'est un stress. C'est normal. J'accepte le stress. C'est normal pour tout le monde.
look of Notre Dame. Kai, talkai o golu, spokojno. Visage, tu sais, t'es là, il m'a mon visage, visage, wow, 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 style, Naru. Ouais, bah, talkai. Bien sûr, tu prends tout ton temps, respire. Fais une belle garde. C'était simple. T'aurais pu être plus méchant. Ouais. Tiens, je vais faire un petit test. Jette aux deux, même aux trois. Je vous dois la vie. Ты же говорил, все question de mental. Он мне на... Il m'a donné pression sur mental, je te jure. Mais... Il m'a dit, t'es fatigué, Ahmed. Mais au moment, où voilà. Au moment où il t'a dit ça, frère, il était mort. Ouais. Il était mort. Ouais, je sais. Justement, c'est juste pour ça qu'il t'a dit ça. Ouais, parce ça. Que lui, il était KO et qu'il s'est dit, vas-y, toi, t'es fatigué, tu vas partir. Tu l'as répondu, quoi. Ouais, bien sûr. Après le troisième round. Après le troisième round, je dis, t'es mort. T'es fatigué. Il faisait plus rien, troisième round, il faisait même plus rien avec Serge. Non, il était bon adversaire, je te jure. Vraiment, Ahmed. Magnifique. T'as quoi, adversaire? Ahmed, félicitations, tu remportes ton combat contre Robert Valentin. Par soumission au troisième round. Ouais. Le public était massivement avec toi pendant le combat. Est-ce que tu as senti leur ferveur? Est-ce que ça t'a porté au cours du combat? Bien sûr. Ça m'a motivé que toute la salle elle était avec moi. Et ça m'a grave motivé. Et je donnais tout pour pas aller jusqu'à décision. Finalement, après plusieurs phases dominantes au sol, dans le dos, en position montée, tu t'imposes par une clé de jambe très technique et très travaillée qui a été amenée de loin. Ouais. C'était un mouvement que tu as senti pouvoir placer et que tu as placé de façon opportuniste, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais travaillé spécifiquement à l'entraînement? J'ai eu clé de cheville et ça, j'ai tellement bien placé que ça craquait. Ça craquait, mais quand même il a sorti. Je sais même pas comment il a pas tapé parce que j'ai entendu que ça craquait bien sa cheville. Franchement, votre nom c'est comment? Bien passé. Salamo. N'ayez pas peur. Ouais. Ça va un peu, ça fait un peu mal, mais ça va. 1000 plus du 1000, oui. Il est où bonus? Première fois dans ma vie, 3 rounds. Ah oui, ça c'est pas ça. Première fois, c'était 3 rounds. Première fois, l'adversaire vraiment dur. Première fois avec un grand public comme ça. Il y avait tous mes amis, tu sais. Il y a des gens,
Il y a des combattants, quand il y a public, quand il y a des proches, ils sont motivés. Mais moi, au contraire, je suis stressé. Je veux. Tu veux montrer la meilleure version de moi devant mes amis, devant mes proches, tu sais. Après, quand mon frère il est là, je suis habitué tout le temps avec moi. Mais j'avais vraiment peur que mes amis me regardent, tu sais. Il y avait tellement de public qui m'a supporté, je pouvais pas perdre devant eux, tu sais. Ça m'a brisé beaucoup, tu sais. Bien sûr. Ça fait une semaine que je pense à ça, tu sais. Même si je vous montre pas, je sais une semaine dans ma tête c'était que ça. Tu dis qu'il faut que tu fasses la meilleure performance de ta vie. Tu sais, j'étais choqué, tu vois. T'as pas rigolé, tu sais, reculé. T'avais pas eu la peur, tu sais. J'ai eu les gens que, tu sais, devant moi, ils avaient peur, tu sais. Les autres adversaires, tu sais, ils avaient peur. Je voyais, tu sais, ils avaient peur de moi, tu sais. Mais non, tu sais. Je me sens très bien. Mon adversaire, il était fort. Franchement, grand respect à Robert Valentin. Il m'a mis des bons coups de coude. J'étais choqué de la salle, du public. Oh, grand respect, merci à toute l'équipe Harris.